Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite série de vidéos sur Tomb Editor. Quand Tomb Raider 5 est sorti, Core Design a accompagné le jeu de l'éditeur de niveau de Tomb Raider 4. Une de fans l'a fait évoluer jusqu'à devenir Tomb Editor, qui permet à présent de travailler avec plus de possibilités que l'éditeur d'origine. Ces niveaux totalement personnalisés que l'on appelle TRLE sont téléchargeables sur le net, comme le site TRLE.net par exemple. Les builders créent des aventures originales et inspirées grâce à ce logiciel qui permet totalement de recréer des aventures plus ou moins longues basées sur les 5 premiers Tomb Raider. Et certains arrivent même à des niveaux de graphisme égaux à Tomb Raider L'Ange des Ténèbres. Avec cette série que j'initie, j'espère pouvoir vous donner quelques bases pour qu'à votre tour, vous puissiez créer vos aventures. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer déjà comment on installe le programme et comment on met en place le logiciel pour pouvoir créer son premier niveau. Premièrement, il va falloir vous rendre sur le site Tomb Editor. De là, suivant votre matériel, vous choisissez soit la version standard, soit la version pour téléphone portable. Je vous mets le lien du site en description. Une fois installé, vous devriez trouver sur votre bureau ceci. Sinon, allez dans le dossier source, là où vous l'avez installé, et cliquez sur Tomb IDE. Vous allez vous retrouver avec une autre interface que la mienne. Et c'est là que tout va commencer. Donc cliquez sur Plus. Choisissez un nom pour votre projet. Nous, ça va être YouTube. Type, sélectionnez TRNG plus FLEP. Je vous expliquerai bien plus tard à quoi ça servira. Projet localisation. Choisissez la localisation de votre projet. Pour ma part, je crée un dossier où je place tous mes TRL. Après, bon, à vous de faire comme il vous semble. Le reste, pour le moment, c'est pas très important. Create projet. On le laissera mouiller un peu et il nous crée le projet. Voilà. Donc là, vous avez votre projet. Vous double-cliquez dessus. Et voici ce qui apparaît. La première chose à faire, c'est d'organiser votre niveau. Donc pour ça, il va falloir, dans la fenêtre Level List, aller sur Plus. Là, il va vous demander le nom du niveau que vous voulez faire. Donc, là, appelez-le comme vous voulez. Pour ma part, ça sera YouTube. Custom PRJ2 Data Name. Ceci, c'est si vous voulez que le nom du fichier qui contient votre niveau soit différent du nom qu'il est en jeu. Par exemple, nous, on pourrait lui demander de s'appeler juste YT. Ensuite, choisissez le son d'ambiance de votre niveau. Alors pour ça, vous avez Open Audio. Ça va vous ouvrir toutes les pistes audio qui peuvent être utilisées pour le moment dans votre niveau. Je vous conseille surtout de prendre à partir de la 105 à la 111. Les autres, c'est plus des toutes petites musiques. Les cavernes comme le tombeau de Seth. Ruines extérieures comme le temple de Karnak. Bord de mer comme les ruines côtières. Des sons de gouttes qui tombent comme dans les catacombes. Ou angoissant comme le Caire. Moi, je vais rester sur celle de base, la 110, et je vais marquer Inable Horizon. Create New Level. C'est parti. Votre niveau est créé, mais vous voyez qu'ici, cette icône s'est mise à surbriller en rouge. Donc, Scripting Studio, on clique dessus, et voici votre niveau, à quoi il ressemble en script pour le moment. Actuellement, le niveau est injouable, si on va laisser tout tel quel et cliquer sur Build Script. Voilà, ça a changé le script de votre jeu. Donc maintenant, le niveau est pris en compte. Pour ce qui est de l'écran titre, il y en a déjà un de base d'installer tout le temps. Pour le moment, on s'en occupe pas. Ensuite, on revient sur Projet Master.
et on va double-cliquer sur le projet YouTube. Et là, vous vous retrouvez enfin dans l'interface Tomb Editor. C'est là où vous allez passer le plus de temps, ou peut-être sur les scripts aussi. Le logiciel seul ne vous suffira pas pour créer des niveaux de Tomb Raider jouables. Il va vous falloir autre chose que je mets en description aussi, en téléchargement. C'est donc des fichiers de texture pour chaque niveau. Et les WAD qui regroupent tous les objets qu'il y a en jeu. Alors, il peut y avoir aussi bien Lara, les objets qu'elle ramasse, jusqu'à une touffe d'herbe qui bouge pas dans le niveau. Une fois téléchargé et décompressé, voilà comment on les incorpore dans Tomb Editor. Dans Item, vous allez simplement cliquer dessus et aller chercher le fichier là où vous l'avez stocké. Pareil pour les textures, vous allez cliquer sur la fenêtre texture et sélectionner les textures. Lorsque votre zone de travail ressemblera à ça, c'est que vous êtes en bonne voie. Ensuite, dernier petit réglage avant de commencer. Vous allez cliquer sur Tools, Level Training, Sonde d'info, vous allez faire plus et aller au même endroit où il y a votre WAD. Cela va vous afficher tous les sons du niveau. Vous allez cliquer sur Hard Coded et Global et appuyer ensuite sur Appli. Et OK. Maintenant, pour voir si tout ce qu'on a fait est bon, on va placer Lara dans notre cube vert et bleu actuel, qui représente en fait une salle de base. Donc, en appuyant sur le plus dans la fenêtre item, on va la placer au milieu avec la petite croix. Pour se déplacer dans cette fenêtre, avec le clic droit de la souris, vous allez pouvoir faire tourner la pièce sur laquelle vous êtes en train de travailler, et avec la molette, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer. Et nous voyons bien notre Lara. Ensuite, dans la ligne du haut, vous allez sélectionner Switch to Face Edit Mode. Ensuite, vous allez sélectionner une texture dans la fenêtre Texturing. Moi, j'ai pris du sable pour faire le sol. Et je vais ensuite aller dans l'onglet Texture, Texture Floor. Le raccourci, c'est CTRL-ALT-T. Bam, et je vois que mon sol a été recouvert de cette texture. Ensuite, je vais choisir une texture pour les murs. C'est-à-dire que je veux celle-ci. Je vais faire la même opération en choisissant cette fois-ci Texture Wall. Et pareil pour le plafond. Avec Texture Ceiling. Et en me baladant, je vois bien que tout a été texturé. Ça, c'est juste un test pour voir si notre niveau fonctionne correctement jusqu'à présent. Ensuite, en haut, on va faire Build Level and Play, ce qui va faire que Level Editor va transformer notre travail en niveau jouable et nous envoyer directement dans le jeu. C'est parti. Voilà, on est dans le jeu qu'on vient de créer. On va pouvoir appuyer sur Entrée, sélectionner notre niveau YouTube. Et tout fonctionne comme prévu. Et maintenant, je vous retrouve dans la deuxième vidéo. On va voir comment modéliser vraiment notre première salle. Tchou.